Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Julie Coach Majorette et Pin-Up, la chaîne qui va te faire kiffer les majorettes et les pin-up. Aujourd'hui, c'est la vidéo pin-up et je vais vous faire une petite recette beauté, écolo, bio, zéro déchet, bon pour la planète, bref, la totale, bon pour votre peau, tout est bon dans cette recette. Donc cette recette, tout simplement, c'est un gommage pour le visage et pour le corps. Donc vous allez voir, il n'y a rien de compliqué là-dedans. On va prendre le marc de café, voilà, le reste du café du matin, et de l'huile d'olive. Alors pour l'huile d'olive, là, c'est de l'huile d'olive de chez Lidl. Honnêtement, n'importe quelle huile d'olive fera l'affaire. C'est quand même mieux si c'est de l'huile d'olive bio, mais pour vous, en tout cas, ça n'a aucun danger, même une huile d'olive pas chère. Donc, le marc de café, je vais prendre 2 cuillères à soupe. Et j'hésite pas à bien les remplir. Voilà, je mets dans mon petit bol. Une deuxième cuillère. Et je vais mettre la même quantité, tout simplement, avec mon huile d'olive. Voilà. Et là, il n'y a rien de sorcier, on mélange. Vous avez vu, je vous fais aussi des recettes de cuisine. Hein. Donc, je vais vous montrer le résultat. Voilà, donc une fois mélangé, ça a cette texture-là. Voilà. Donc ça n'a pas l'air appétissant comme ça, mais on s'en fiche. Le but, c'est de nous faire une jolie peau sans polluer la planète. Et cette recette, vous pouvez l'appliquer sur votre peau 2 fois par semaine. Évidemment, une fois que vous l'avez faite, il faut tout utiliser tout de suite. Donc, ce que je fais en général, moi, je fais le gommage du visage parce que, voilà, on a toujours, vous savez, les petites impuretés au niveau du nez, la zone T, etc. Donc, moi, j'aime bien avoir le visage impeccable. Donc, je me fais ce petit gommage 2 fois par semaine. Et comme il en reste toujours, eh bien, j'en profite pour m'en mettre tout simplement sur le corps. Voilà, je fais le petit gommage des jambes aussi avant le rasage, c'est parfait. Pour aujourd'hui, c'est une petite vidéo courte, mais j'espère qu'elle vous sera malgré tout très utile. Je vous laisse liker et commenter la vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos copines si l'astuce vous a plu. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous.